Sois l'honneur à toi, remerciement. Tu es le Créateur Dieu, à toi seul, sois la gloire. Nos cadavres, la haine, Voilà, va nos doigts, mais toi, poser. Voilà, va nos doigts.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur notre Dieu, toi qui habites les hymnes de ton peuple, et toi qui sièges, toi qui inspires tes enfants de te louer, de te chanter. Nous venons ce soir pour te magnifier, pour te dire merci, parce que c'est toi qui nous donnes la vie, le mouvement et l'être. Et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Oui, Seigneur, c'est toi qui tiens le monde entier dans tes mains. C'est toi qui tiens chacune de nos vies dans tes mains. Ô Seigneur, nous sommes faibles. Et sans toi, nous ne pouvons pas exister. Sans toi, rien n'est fort, rien n'est sain. Tout est néant. Ô Jésus, nous venons chez toi encore ce soir. Pour que tu nous redonnes la force, la santé physique et spirituelle. Ô Jésus, nous sommes devant toi. Toute l'humanité est devant toi. Prends-nous, guéris-nous, relève-nous. Notre vie, nos vies auront sens si nous nous tournons vers toi. Seigneur, voici devant toi. Prends-nous tels que nous sommes. Redonne-nous vie. Redonne l'humanité une nouvelle vie, un souffle nouveau, pour que nous puissions aller de l'avant. Bénissons ton nom, louons ton nom au milieu des nations. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué. À toi la gloire, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Louange à toi, 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 louange à toi. Oh,
notre louange. Oh, louange, gloire à toi, Jésus. Oh, tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Oh, gloire, louange à toi. Seigneur, ô notre Dieu, tu es digne de louange. Le monde entier te loue, Seigneur, parce qu'il sait que c'est toi qui es Dieu, le vrai et Dieu vivant. Ô Seigneur, toi qui donnes la vie, le mouvement et l'être, ô notre Dieu, nous te louons. Nous te magnifions. Ô Jésus, gloire à toi. Louange à toi. Ô Iramakabashita. Koramakaba Irabashita. Korayzambakala Irabashita. Koramakala Irabashita. Ramakala Irababa. Ô Iramakatabarabakola Irabashita. Irabababa. Koramakala Barabashita. Ramakola Irababa. Alors s'élève un chant.
sens que tu es grand. Tout mon être alors s'élève et chante. Dieu tout-puissant. Contemplons un instant le Seigneur dans sa grandeur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours. Yes, sir.
Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Veillons sur les intentions de messe. Action de grâce pour les bienfaits du Seigneur, protection divine sur lui, sa famille et ses enfants, surtout celles résidant en France, pour la réalisation de leurs vœux par l'intercession de la Vierge Marie, demandée par un chrétien. Action de grâce au Seigneur pour sa vie et celle de sa famille, surtout à Kouvi et son mari, contre cette pandémie, demandée par André. Action de grâce au Seigneur pour le repos en Dieu de l'âme de John, Akpolu, Albert Tada, Sophie Viagbo, Faustin Tevi et les défunts de la famille Tevi et alliés, sans oublier les âmes du purgatoire, demandées par Tevi Adolphe. Messe pour le repos en Dieu de Norbert Atiogbe, mort il y a 44 ans, pour les défunts de la famille Atiogbe, Bignon, Lassé et pour les âmes du purgatoire, demandé par Anastasie Atiogbe. Messe pour le repos en Dieu des défunts de l'association Saint-Antoine, demandé par la dite association de la paroisse Saint-Esprit de Torti. Action de grâce pour le bienfait du Seigneur, protection divine sur ses enfants, ses petits-enfants et tous ceux qui l'entourent, demandé par Rosalie. Action de grâce à l'occasion de l'anniversaire de naissance d'Antoine Agbalekpor, demande la protection divine par l'intercession de la Vierge Marie, demandé par un chrétien. Action de grâce pour les bienfaits du Seigneur, demande le rétablissement de sa femme et de son enfant par l'intercession de la Vierge Marie, demandée par Pierre. Action de grâce, protection divine et santé à elle, sa famille et ceux à l'étranger, que la Vierge Marie les couvre de son manteau virginal, demandée par une chrétienne. Messe pour le repos en Dieu des défunts, des familles Gagnon, Agbodi, Lossou, habiles, les prêtres et les religieuses, catéchistes, catéchumènes, sans oublier les âmes du purgatoire, demandées par une chrétienne. Action de grâce à l'occasion du 5e anniversaire de naissance de Cyriac Gagnon, protection divine sur lui et sa famille, demandée par son père. À toutes ces intentions, joignons les nôtres. Bonne et future célébration à nous tous. Loué soit Jésus-Christ.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Oui, gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau sacrifié. L'agneau qui s'est sacrifié, il appelle des gens à le suivre. Et en ce jour, nous célébrons Saint Barnabé, apôtre, que par son intercession, que le Seigneur nous donne aussi le courage, la grâce missionnaire d'aller de l'avant dans l'annonce de la bonne nouvelle. Entrons dans cette célébration en reconnaissant humblement que nous sommes pécheurs et implorons sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Qui a dit de mettre à part Saint Barnabé, cet homme plein de foi et de l'Esprit Saint, pour qu'il porte aux païens le message du salut, fait que l'évangile du Christ, dont il fut l'apôtre courageux, soit encore annoncé fidèlement en parole et en acte. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. À Antioche, un grand nombre de gens étaient devenus croyants et s'étaient convertis au Seigneur.
L'église de Jérusalem entendit parler de tout cela et l'on envoya Barnabé jusqu'à Antioche. À son arrivée, voyant les effets de la grâce de Dieu, il fut dans la joie. Il les exhortait tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. C'était un homme de valeur, rempli d'Esprit Saint de foi. Une foule considérable adhéra au Seigneur. Barnabé repartit pour aller à Tarse chercher Saul. Il le trouva et le ramena à Antioche. Pendant toute une année, ils furent ensemble les hôtes de l'Église. Ils instruisirent une foule considérable. Et c'est à Antioche que, pour la première fois, les disciples reçurent le nom de chrétiens. Or, il y avait dans cette église d'Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon, surnommé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen, ami d'enfance du prince Hérode, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils observaient un jeûne, l'Esprit Saint leur dit: détachez pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié et leur avoir imposé les mains, ils les laissaient partir. Parole du Seigneur. Dieu révèle sa victoire à toutes les nations. Dieu révèle sa victoire à toutes les nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Dieu révèle sa victoire à toutes les nations. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Dieu révèle sa victoire à toutes les nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments. Au son de la trompette et du cor, acclamez votre voix le Seigneur. Acclamation. Toute la terre est proclamée la parole et la bonne nouvelle aux limites du monde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Jésus disait aux 12 apôtres: sur votre route,
Proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni petite monnaie pour en garder sur vous, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâtons, car le travailleur mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez chez lui jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne vers vous. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimé du Seigneur, loué soit Jésus-Christ. Nous célébrons en ce jour la mémoire de Saint Barnabé, apôtre. Et je voudrais partager avec vous ce petit message. La lecture des Actes des apôtres que nous avons entendu tout à l'heure. Vers la fin, on nous disait ceci. Un jour que les apôtres célébraient le culte du Seigneur et qu'ils observaient un jeûne, l'Esprit Saint leur dit « Détachez pour moi Barnabé et Paul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ils priaient en église à Antioche. On a donné des noms. Siméon surnommé Niger, Lucius de Cyrène, Malanène, etc., etc. Ils sont nombreux à prier, à enseigner dans l'église d'Antioche. Mais l'Esprit Saint veut donner à Barnabé et à Paul, veut confier à ces personnes une mission, une tâche particulière. Détachez pour moi Barnabé et Saul, pour dire, mettez-les à part pour moi. J'ai une mission à leur confier. Oui, bien-aimés, nous sommes nombreux dans l'Église. Vous dites que nous faisons une œuvre d'ensemble, une même œuvre, une même mission. Mais le Seigneur veut confier à chacun, à chacune d'entre nous, une mission particulière, un charisme particulier. Et c'est très important de reconnaître cela. Autrement, nous allons marcher ensemble et nous sommes ensemble, nous faisons tout ensemble. Oui, nous faisons tout ensemble, nous marchons ensemble en église. Mais le Seigneur veut confier à chacun de nous une mission particulière. Et il faut reconnaître cela. Il faut demander cette mission au Seigneur. Parce que l'œuvre ou bien la tâche que je dois accomplir, moi, prêtre Jean, un prêtre aussi, ne pourra pas faire cette mission. Chacun a une vocation, une mission, un charisme spécial. Ce que toi, Martin, tu peux faire, Cyril ne peut pas le faire. Et donc chacun de nous doit demander au Seigneur, tu me mets à part pour quelle mission? C'est très important de le savoir. L'Esprit Saint leur dit,
détaché pour moi Barnabé et Saul et Paul en vue d'une mission, en vue d'une œuvre à laquelle je les ai appelés. Nous sommes appelés différemment. C'est très important. Nous devons le connaître. Autrement, nous ferons que copie conforme. On va ensemble quoi? Ensemble. Mais il faut être distinctif. Il faut être distinctif. Demandons au Seigneur, par l'intercession de Saint Barnabé, que nous faisons mémoire en ce jour, de nous donner la force d'aller de l'avant. Parce que le Seigneur nous destine une mission particulière, puisque nous sommes appelés pour cette mission. Peut-être moi, ma mission particulière, c'est d'aller vers les malades. Et quelqu'un, bien quelqu'un, ne pourra pas aller là. Cette personne, lui, doit aller faire autre chose. C'est très important. Nous venions de célébrer la Pentecôte. Les dons de Dieu sont divers, sont nombreux. Une seule personne ne peut pas tout prendre. Et donc Dieu nous destine à une mission spéciale, à une tâche spéciale, que chacun de nous reconnaisse cette mission et l'accomplir avec joie, avec abnégation. Jésus nous a dit, comme nous le disons au début de l'évangile. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Voilà ce que nous allons faire. Que le Seigneur nous donne la grâce d'aller de l'avant. Que les apôtres, ceux qui nous ont devancés, nous fortifient dans cet élan missionnaire, aujourd'hui et toujours. Amen. 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 Et bien, le boudem, banaba kokwe. Et nous, il veut bien me dire, maman, que nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps. Nous avons un apostolo pofu. Le nous fiam. La bebo kokwe de dotohere asi nao, benao. Et doi ke bo kwechon nawa, mereke mate wele te po. O de kape kwela tewe mi de odakpa mi de banaba ple paulo dakpa la bena metia ona dot ne le gba domda ha ejeji ha agalo agbanu emucha ki dodo la bena muchi domwole I jeune. Un jour il célébrait le culte du Seigneur et il observait un jeune. Bedodora, belu chichido, wezonade du. Miabia, apostolo, Barnaba, bewa kpele mianti. Nemia dejesi, doda si tohe, ike ma utonami, le halame. E nemia yenu heleaji. E ike wo wunu le fia, nemia ga yejia. O Barnaba, kpele paolo, bedo yo wa, wo oto. E nyao nyao, ma ucho dere da sinao. Nemi me dejesi nyabe do ike ma uto da sinani owa nyanani mache mache nyabia bana bakokwe be wa pere mianti nemi adejesi to da si omi fo e nemi howa nyato awodo na ma uko ha neva me nani ade motore siade. Amen. Thank you.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire. Par ta bénédiction, Seigneur, sanctifie nos offrandes, qu'elles nous obtiennent de ta grâce cet ardent amour qui portait Saint Barnabé à transmettre aux nations païennes la lumière de l'Évangile. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car tu as fondé sur les apôtres l'Église de ton Fils, pour qu'elle soit dans le monde le signe vivant de ta sainteté, et qu'elle annonce à tous les hommes l'Évangile. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons t'acclamer avec les anges en disant à pleine voix. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela à mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous saluons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire
de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre archevêque Nicodème et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et de toutes les femmes qui, en ta miséricorde, ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres Saint Barnabé et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. To Christo me, bakle Christo, et le Christo me la bubu, klemti kokwe de siya de linawo, ma uto mse katatola, le bobo kokwe la fe de kawo, to ma vo, hei ma vo. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, à notre pays, le Togo, à nos cœurs, à nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. À nom de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. À nom de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. À nom de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Après avoir reçu de toi, Seigneur, le gage de la vie éternelle, nous te supplions humblement. Fais que nous saisissions un jour en plénitude le mystère que nous célébrons dans ces rites en mémoire de l'apôtre Saint Barnabé, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. À tous et à chacun, nous vous souhaitons bonne soirée, bonne nuit, que le Seigneur nous garde et nous protège. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Allez, proclamez.